que pour danser. Le monde en bêtise, rien que pour la danser. Le monde en bêtise, le monde en bêtise. Le monde en bêtise, le monde en bêtise. Le monde en bêtise, le monde en bêtise. Pourquoi ne pas aller à la justice, par exemple? C'est ce que nous souhaitons, ceux qui ont mis cette proposition dans l'accord, doivent aller à la justice et non pas ici à la sécurité. Il y a des délégués de la majorité présidentielle qui ont signé les papiers quand même. Vous savez que la majorité présidentielle a signé sous réserve de cet accord. Parmi les délégués. Et sur les modalités qui vont conduire à la nomination par du premier ministre par le président de la République. Mais ce que je peux vous dire plus concrètement, ce qui concerne la dimension du gouvernement, tout le monde est conscient du fait que les ressources de l'État se sont pratiquement amélioré. Tout le monde est conscient et sait qu'il faut un signal fort vis-à-vis du peuple dont nous prétendons défendre les intérêts. Et tout le monde est conscient du fait qu'il faut redorer l'image de la République et l'image du prochain gouvernement dont on va faire un gouvernement qui répond à ces intérêts. Sur le profil du Premier ministre, nous sommes mis d'accord sur des éléments fondamentaux de configuration des tailles du gouvernement que je viens de vous énumérer, à savoir, si je dois me répéter, il faut tenir compte du fait que les ressources de l'État se sont drastiquement amenuisées, il faut tenir compte du fait que le peuple attend un nouvel espoir de nous, il faut tenir compte du fait que nous devons redorer l'image de la République et l'image du prochain gouvernement auprès de tous nos partenaires extérieurs dont il faut quelque chose de potable, de présentable et d'acceptable, non seulement par nous, mais également par la population. Et vous avez mis sur pied une petite commission? Constitution. C'est-à-dire, la Constitution dit que c'est le président de la République qui nomme le Premier ministre. La Constitution dit que c'est le Premier ministre qui est le chef du gouvernement. Et la Constitution dit que c'est le Premier ministre qui conduit donc l'action au niveau du gouvernement, la politique de la nation. Donc ce sera la même chose. Le Rassemblement va proposer une personnalité via la CINCO au président de la République. Pas propre de toi d'être. Bon, nous, au niveau de l'opposition politique, nous avons souhaité que le Rassemblement propose 3 personnes. Pour éviter qu'il y ait chaque fois des va-et-vient, parce que le président de la République est toujours libre de récuser un nom. Pour multiples raisons, ça se passe partout. Il ne peut pas travailler avec quelqu'un dont son humeur, par exemple, ne lui convient pas. Il ne peut pas travailler avec quelqu'un qu'il considère comme conflictuel. Mais je crois que là, on est en train de se mettre d'accord pour que le Rassemblement, que ce soit une personne, que ce soit deux, que ce soit trois, mais le Rassemblement doit proposer à remettre la liste à la CINCO, au présidium de la CINCO, qui verra avec le président de la République pour que la nomination soit faite. Et puis après, il y aura une collaboration entre le Premier ministre et le président, comme cela a été indiqué dans la Constitution. Alors, on ne sort pas de la Constitution. Alors, pendant cette période de transition, selon l'arrangement particulier, est-ce que le président de la République pourra, par exemple, limoger son Premier ministre? Il y a un accord. S'il y a un accord, c'est que les deux vont collaborer pendant la période de la transition, à moins qu'il y ait une crise grave, qu'il y ait refus de la part de l'un et de l'autre de collaborer. Pour répondre à 17h, on vient à la résidence. Il y a mis balai total formant un gouvernement. Dans le lobby, biso na rassemblement, na majorité présidentielle, dans le nombre de ministères, président Ngemoko. Mais différence, il y a un nombre de vice-ministres.
Bisson dans l'assemblement, Bango batier 45 au total de ministres, vice-ministres, batier 48, donc les chiffres presque voisins. Et pas il y a Baninga, il y a majorité présidentielle, batier de vice-ministre, mais il y a 23, c'est une configuration. Il y a gouvernement, il y a loyaux. Société civile batier 57, donc le gouvernement, il y a autonomie. Batoumé sur Abino, il y a Kani, Malam, Boké. Donc ça, le gouvernement, où il y a besoin de Mosolomi, de tout ça, la majorité, tout ça, c'est un membre rébellé, et au moins, on a collé la ministre. Il y a peuple qui a qui a ou pour la communication. Alors que mission d'abysse à l'imposé à l'inini, peuple a posé la mission à fin 2017 à pour la députée provinciale, la députée nationale, mon condiam boca, merci. Mi balé, peuple à l'inini sécurité zone à Congo, à Grand Nord, à Yorki, à l'Est, à la Kassai centrale, à Toazou, à Toazou, à On a vu son position politique au dialogue et professeur pour qu'on a pas représenté Bisson. On a rassemblé la candidature de l'Isse Sanga. On a la ligne à majorité de professeur Manu, société de Mme Marie Nadel Kalala. Et donc, on a vu ça, c'était pour son micro. Il s'est aussi dit, mais sinon, on a vu. Toujours on a pour la information. Dans le cadre du reportage
de poursuivre des travaux de délégués au dialogue national pour instaurer la paix en République démocratique du Congo, après avoir parlé sur les nombres de membres du gouvernement à 46 ministres pour le gouvernement de transition. Aujourd'hui, les délégués sont en train de discuter sur la désignation du premier ministre, du futur premier ministre, qui va nous amener aux élections ainsi que à l'amélioration des conditions de vie de la population. Aujourd'hui, comme vous le constatez, tout le monde attend un moment à l'autre ce que ça va donner. Néanmoins, vous allez retenir que le délégué de l'opposition tout comme de la majorité sont en train de discuter sur la désignation du Premier ministre. Déjà, il y a trois noms qui se pointent. Il y a Félix Tshisekedi Tshilombo, il y a également Valentin Moubake, il y a aussi une personnalité de l'UDPS qui est de la diaspora. Alors, la décision sortira de l'ensemble de la majorité dans le rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement. Je sais que l'UDPS, le G7, tous les membres du rassemblement sont en train d'harmoniser leur langage à ce qui concerne la désignation du futur Premier ministre de la République démocratique du Congo. Alors ce soir, comme vous le savez, nous vous remercions d'abord pour la confiance que vous nous accordez à chaque moment. Ce n'est pas d'ici, nous sommes ici au pays pour vous transmettre les informations à la loupe. Comme vous le remarquez, nous sommes à l'enceinte de la CENCO. Donc cela veut dire que nous voulons vous transmettre les informations fiables. Merci et à vous. Le suivi d'accord. Donc, pour Badi Angoka Kasikawa, ce qu'on a zongi, qu'on a nagani, c'est aussi le système mais on a payé. Donc, zongi, ça va politiser, ça va que nous entre en deux. Parce que mon nous allons pour tamboura. Je suis un peu plus de temps. Et à Corwana, moto moko a koki au boya yangote. Ata batu ba tiaki manzakate, sika wa to soloni na bamona kanisi mikolo mizali boya, lobi, to posu ya sima, basa ya koti ya manzaka. On a corrobaté à corps de l'Israël. Et l'on a dit qu'on a corrobaté à corps. Monsara Tozali, pour ça, la sika wande, les alli, mesure d'application. Ndenge bako appliquer à quoi voilà les alliés natina mingi penza te pour la population mais population mokanda o yasengeli na yango document o yo les alliés na nguya les alliés à quoi et à quoi les alliés donc tina ya kozala na souci pour la mosala tozali kozala awa les alliés. Merci. Vraiment, c'est que vous êtes en train de spéculer. On a tout terminé. Et je crois que nous allons continuer demain. Et si Dieu le veut, vous allez peut-être avoir la fumée blanche qui va bientôt saluer le ciel et la terre. Hein? Donc, on a parlé sur la structure du gouvernement encore. Maintenant, c'est le partage équitable et équilibré des composantes. On a discuté sur ça. Et on se met d'accord dans tout. Chez les animaux, c'est difficile peut-être de se mettre d'accord parce qu'on ne comprend pas leur langage. Mais ici, ce sont les hommes qui sont dans la salle. Et donc, vous pouvez clôturer ces assises demain déjà? Non, la date de clôture, ça ne m'appartient pas. Ça, c'est les prérogatives des évêques. Mais je sais que je peux vous rassurer,
et que ça avance avec une vitesse que vous ne pouvez pas vous imaginer. Donc le rassemblement s'est rassuré aujourd'hui, vous vous êtes mis d'accord que vous déposez un seul nom sur votre liste auprès de... Non, le rassemblement s'est déjà mis d'accord sur ça. Et la seule chose est que le rassemblement ne vous a pas encore donné la primaire de l'information. Vous savez, le rassemblement, c'est une organisation assez structurée. Et que c'est Étienne Tshisekedi qui est la seule autorité habilitée à donner le nom. Alors, maintenant, tout ça est sur sa table. Je ne vois pas là où on peut aujourd'hui s'inquiéter. Alors, aujourd'hui, on peut dire que MLC veut signer. Qu'est-ce qui bloque ça? Je vous ai toujours dit qu'au niveau de la salle, on ne connaît pas MLC. Là-dedans, c'est le front qui est dans la salle. Front, oui. Et vous les avez vus entrer. Ça veut dire qu'il y a des solutions. Et le Monseigneur vient de nous apprendre qu'il est possible qu'il signe demain. L'accord global et inclusif. Alors, Basango Bango Moko Baza très déterminé. Le plus rapidement possible, peuple bas la solution. Ndenge Bango Moko Balaka Kibiso na Béglise, na Mukulu ya bonne année, na Mukulu ya Noël. Alors, tu as avancé, tu as trouvé déjà compromis presque na, au niveau ya ndenge nini mutula muta kuzu ete nini pour asale l'école. Tu as kende sikoyo pour na koyeba na ndenge ya charge ndenge kozala. Koyeba mutula mutu ndenge balubaka na Bible donna à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Alors, tu as kosanga na biso nyonso mais là qu'on a sepeli mingi na kati ya sale le lot de plus en plus tozo yebate. Na naza mutu ya mouvance présidentielle, na naza mutu ya opposition, na naza mutu ya société civile, bato nyonso bakomi bomoko ba congolais. Eloko wana ndi eloko moko ngai na moni oyo ya kosalue pe ya koloba na peuple na biso ke sango ya malamu ezali koya milinga ya pembe ezobi makala mingi te. Botondi bino. Taille au gouvernement, tu bandes mon salaire dans une répartition, ce qu'on faut contacter seulement pour avoir un équilibre. Tu salaire dans le gouvernement, tu as nini ministère au lequel tu as wapi, tu as ministre, nini as un ministre, tu 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 as un ministre, ba oyo bazalaki na ngambo ba ndeko José Makila Jean Lucien Boussa na Sami Badibanga bango pe ba lobby ba koya na kati auto sur sa corps ngozala global paix inclusive na maye matali ba prisonnier de Kolumba la kozonga dimanche ndeko Moïse Munidela normalement lobby il faut abima na kati ya boloko bisika zalaki donc ba mesure de crispation à partir à lobby et Robanda Kosala. Toujours c'est la ministre Mendia Zonga pour la média au Bakanga qui va fumer la yango. Et à la Nyota Joa na Lubumbashi, RFI, na Kinshasa, RLTV, ba média en Agnoso, va fumer la yango. Toujours c'est la Yazonga lobby. Donc, Makamboyo qui n'est pas dingue, tu as aucun qui n'accorde. On aura bien sûrement que bon aussi sa lobby. Non, na banza to aussi sa lobby. Parce que ceux tout ça les musala lobito kani beso na beso photo zonga les sous awa boibi que lundi mardi les allés fériés je crois que mercredi on va tout clôturer. Merci. Des morts dans notre pays pour la défense de nos droits fondamentaux inscrits dans notre constitution. Le Congo a besoin de paix. Le MLC s'est toujours battu pour la paix, la concorde et la cohésion nationale, mais jamais pour le positionnement des individus. Nous ne devons donc pas offrir un prétexte à ceux qui n'ont pas l'intention d'appliquer l'accord de la CENCO de faire obstruction aux droits des Congolais à un avenir apaisé et sans soubresaut.
Je demande au Front pour le respect de la Constitution concernant la répartition des responsabilités au sein du gouvernement dont nous avons adopté le format hier. Ensuite, nous avons abordé la question du comité national de suivi de l'accord et du processus électoral. Nous avons également assez bien discuté et d'ailleurs je me réjouis de voir que le MLC qui a effectivement participé aux travaux tout au long du dialogue et encore aujourd'hui va signer demain, donc c'est vous dire que les choses avancent bien. Nous avons également, alors à ce sujet, on a mis en place deux commissions qui vont traiter de chacun des sujets qui ont été débattus aujourd'hui, mais sans aller vraiment au fond. Raison pour laquelle ces commissions sont mises en place, pour aborder les autres questions qui n'ont pu être abordées. Et enfin, nous avons parlé des mesures de décrispation, de leur exécution, et nous pensons que les choses sont en train de se poursuivre. Il est vrai que ça fait déjà 14 jours que l'accord a été signé, mais nous pensons, comme vient de le dire encore Madame Bazaïba, que rien ne devrait vraiment venir déstabiliser ce qui est en cours, que nous prenions patience parce que nous suivons la mise en œuvre des décisions prises avec l'accord du 31 décembre. Quel est le quota ? Qui est le Congo?